Comme le Bentley Bentayga, je pars à l'assaut de Pikes Peak avant de te présenter ton épisode du jour. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Le chiffre du jour, c'est 68%. Selon une étude menée par Elab, publiée dimanche dans Le Parisien, 68% des Français accepteraient de rouler à 110 km/h au lieu de 130 pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour réaliser cette étude, Elab a interrogé 25 000 personnes dans 25 pays différents, dont la France. Dans l'Hexagone, la diminution de la vitesse sur autoroute est une proposition de la Convention citoyenne sur le climat de 2020, proposition écartée à l'époque par Emmanuel Macron. C'est le sujet de la question du jour. Et toi, accepterais-tu de rouler à 110 au lieu de 130 km/h sur l'autoroute pour lutter contre le réchauffement climatique? J'attends ta réponse dans les commentaires. En parlant d'écologie, le collectif Stop24H veut mettre fin aux courses automobiles sur le circuit du Mans. Ils affirment, je cite, « les 24 heures du Mans 2023 n'auront pas lieu ». Ils expliquent, je cite, que faire tourner des voitures à toute vitesse pendant 24 heures en ce moment est l'une des choses les plus évidentes à arrêter. De son côté, l'ACO, organisateur des 24 heures, a déjà annoncé en septembre la mise en place d'un plan pour réduire les émissions afin d'atteindre la neutralité carbone en 2030. Des Porsche à plus de 6000 mètres d'altitude. Porsche s'est lancé dans un projet complètement dingue, emmener deux 911 type 992 Carrera 4S sur les pentes du plus haut volcan du monde. Pour ta culture perso, le volcan Nevado Horos del Salado se situe sur la frontière entre l'Argentine et le Chili et culmine à 6879 mètres d'altitude. Les deux Porsche 911 ne sont pas parvenues à monter si haut, mais elles sont quand même montées à plus de 6000 mètres. 6007 mètres pour être très précis. Le responsable de ce projet, Romain Dumas, a annoncé, je cite, « Aujourd'hui, seuls des avions sont montés plus haut que nous ». Comme tu peux l'imaginer, les deux 911 ont subi des modifications en profondeur. Garde au sol augmenté de 35 cm, essieux modifiés, pneus spécifiques ou encore arceaux de sécurité. Seul le moteur, le Flat 6 biturbo de 450 chevaux, était d'origine. Sacrée performance en tout cas. Francesco Bagnaia est champion du monde. Le pilote italien a été sacré champion du monde de MotoGP pour la première fois ce dimanche lors du Grand Prix de Valence. Il devance au classement Fabio Quartararo. Ce titre est historique à plus d'un titre. Comment ça ? Après le Grand Prix d'Allemagne, la 10e manche de la saison, Bagnaia n'était que 6e au championnat et comptait 91 points de retard sur Quartararo. Sa deuxième partie de saison a été incroyable. 5 victoires, une 2e place et 2 3e places. C'est aussi la première fois dans l'histoire du MotoGP qu'un pilote et un constructeur du même pays remportent le titre mondial. Lewis Hamilton au volant de l'Ineos Grenadier. Jim Ratcliffe, le fondateur d'Ineos, a laissé le volant d'un Ineos Grenadier à Lewis Hamilton pour une virée sûre et hors des sentiers battus. Pourquoi ? Parce qu'Ineos est un sponsor majeur de l'écurie Mercedes-AMG en Formule 1. Pas étonnant dès lors de voir le sourire du septuple champion du monde et de l'entendre déclarer, je cite, « J'étais presque à fond sur tout le parcours, je suis extrêmement surpris par son comportement ». C'est le moment de revenir sur la question de jeudi. Je te demandais, serais-tu capable de mettre un moteur de Subaru dans une Porsche 911 GT3 ? Je pensais que vous alliez crier au blasphème dans les coms, et ce n'est pas du tout le cas. The Real Goyo, pour toi ce projet est sublime et l'idée de recyclage te fait plaisir. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que tu as passé un bon moment. Je te donne rendez-vous demain, bonne soirée, allez ciao !